Je vais vous raconter des signes. Vous êtes prêts? Et hop! Il pleut. Trois enfants s'avancent. Ils passent devant un parc à jeux où il y a un dinosaure balançoire. Et ce dinosaure a un drôle de sac accroché dans la gueule. Les enfants prennent le sac et regardent ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Des craies multicolores! La petite fille en rose prend une craie jaune et sur le sol, elle dessine un beau soleil. Et là, le véritable soleil apparaît dans le ciel. Il éblouit les enfants. C'est alors, mais que s'est-il passé? Les craies seraient-elles magiques? Le soleil est bien là, en tout cas. Il chasse la pluie. Les enfants sourient. Les craies sont peut-être bien magiques. Elles font apparaître pour de vrai ce que l'on dessine avec elles. Alors, la deuxième petite fille prend une craie orange et dessine des tas de papillons par terre. Et des tas de papillons orange se mettent à voler partout. Waouh! Le garçon prend un air un peu coquin et s'empare d'une craie verte. Il dessine sur le sol un dinosaure féroce. Et là, un vrai dinosaure apparaît. Un tyrannosaure en plus. Oh, oh non! Au secours! Le tyrannosaure les poursuit. Il faut se cacher dans la structure, dans le tunnel, sous le toboggan, quelque part. Le dinosaure les cherche. Il les a vus dans le tunnel. Il va les attraper. Le petit garçon prend une craie bleue et dessine un nuage avec de la pluie. Bonne idée! Parce qu'alors, la pluie apparaît et efface tous les dessins. Et donc aussi, le dinosaure n'existe plus. La pluie l'a effacé. Il ne reste plus qu'une trace verte sur le sol. Les enfants ont remis leur imperméable et regardent ça. Soulagés et songeurs. Ils remettent le sac dans la gueule de la balançoire. Et ils repartent, en laissant les craies. Un peu trop dangereuses, ces craies. Et c'est fini !